Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. On est le vendredi 3 décembre 2021. C'est le troisième jour de la télé du salon et donc le troisième numéro de votre émission On Air, le Prime, ici même, donc à Montreuil en Seine-Saint-Denis, où se tient jusqu'à lundi la 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Pour m'accompagner dans cette émission, évidemment, comme à chaque fois, Sylvie Vassallo est là. Bonjour Sylvie. Bonjour. Directrice, je le rappelle, du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Dans cette émission, dans quelques instants, on ira faire un tour dans une librairie partenaire du Salon pour un petit conseil lecture. Et puis, restez bien avec nous pour la deuxième partie de cette émission. La journaliste Raphaël Bott nous rejoindra pour l'interview de celle qui a remporté la Pépite d'Or 2021 avec ce roman, Queen Kong. Hélène Vignal sera notre invitée, donc, dans quelques instants. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, ce roman va inspirer très librement celle qui nous accompagne au dessin aujourd'hui. Maud Bégon est avec nous. Bonjour, autrice, illustratrice de bande dessinée. Si j'ai bien compris, vous allez, c'est ça, vous inspirer librement de ce roman et de son titre. Oui. Voilà, et nous on va suivre ça avec grand plaisir tout au long de cette émission. Et puis, vous l'avez vu, il y a, comme à chaque fois, Sylvie, deux invités sur ce plateau. Tout à fait. Nous voilà donc repartis dans la désormais traditionnelle séquence partenaire. On vous invite finalement dans les coulisses de la fabrication du salon à la rencontre de celles et ceux avec lesquels nous travaillons toute l'année et qui nous soutiennent. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Karine Roland, qui est adjointe au maire de Paris en charge de la culture. Bonsoir. Bonsoir. Et Marion Jablonski, du département jeunesse et BD d'Albin Michel Jeunesse, mais qui est là surtout en son titre de présidente du groupe jeunesse du syndicat national de l'édition. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Salon du Livre et de la Presse Jeunesse oblige. Si vous nous avez suivis depuis mercredi, vous savez que nous avons pris l'habitude de commencer cette séquence en faisant un petit détour du côté du dictionnaire pour savoir ce que veut dire le mot partenaire. Mais ce soir, nous allons quitter le dictionnaire le plus classique, celui des définitions, pour aller vers le dictionnaire des synonymes où j'ai trouvé qu'un partenaire, c'est une complice, un associé, une coéquipière, une alliée, un alter ego. Alors, si je vous demande, Marion, quel synonyme vous choisiriez pour notre relation ? Nous, Sylvie, bien sûr. Et vous, Karine ? Vous avez employé le mot de complice. Je l'apprécie tout particulièrement. Je le trouve très polysémique. Donc, ça serait complice. Bon, merci beaucoup. C'est vrai que nous avons besoin de la complicité de tous ceux qui travaillent avec nous toute l'année, qui nous permettent de réaliser cet événement. Alors, Karine et Marion, comme vos prédécesseurs, partenaires que nous avons invités ici avant vous, vous avez en cet instant le pouvoir de retourner en enfance pour un temps très court, pour vous présenter aux enfants et aux jeunes qui regardent la télévision du salon aujourd'hui. Et c'est ma première question. Karine Roland, à quoi ressembliez-vous, lorsque vous étiez enfant ou adolescente? J'étais blonde, déjà. J'étais heureuse, je crois. J'ai des souvenirs d'enfance très joyeux. C'était en Bretagne, la mer était très présente. Et je me souviens, pour l'anecdote, qu'à l'époque, les filles jouaient pas beaucoup avec les garçons, que ça m'agaçait fortement, et que j'avais décidé, quand j'étais en grande section de maternelle, le samedi, de porter un survêtement et de pouvoir jouer avec les garçons. Voilà, c'est une anecdote qui m'est revenue en pensant à cette époque. Ça marchait bien ? Ça marchait super bien, oui, oui. Et après, il a fallu continuer pour pouvoir jouer les autres. Personne ne m'interdisait. Mais il y avait comme ça quelque chose qui faisait que les filles jouaient ensemble, les garçons jouaient ensemble. Et ça me déplaisait déjà. Est-ce que vous étiez lectrice ? J'étais très lectrice. Alors, vous allez croire que je le fais exprès. Mais oui, j'étais très lectrice. J'aimais beaucoup ça. Les histoires ont peuplé mon enfance. J'ai gardé les livres. Je les ai transmis à d'autres enfants, les miens et d'autres. Ils ont évolué, grandi avec moi, plus que l'inverse. Mais, bien sûr. On verra ça tout à l'heure plus longuement. Et vous, Marion, est-ce que vous rêviez, toute petite ou adolescente, d'être éditrice ? Alors, pas du tout. Je rêvais d'être fromagère. Et d'ailleurs, ça me reprend de temps en temps
à mon âge. C'est vrai que quand nous faisions les courses avec ma maman, il y a un magasin que j'adorais, c'était le magasin des fromages. J'y aimais tout, en fait. L'ambiance, les odeurs, l'attente, le fait de regarder tous ces différents fromages, la coupe du fromage, ceux qui sont tellement difficiles que la fromagère devait prendre un énorme couteau et ceux qui, au contraire, coulaient dans le panier avant que nous arrivions à la maison. Et voilà, donc ça reste un rêve, mais je le ferai peut-être. Oui, finalement, ça, d'un certain point de vue, il y a une relation avec le métier de l'édition du côté de l'image, en fait. Quand vous racontez la manière dont les fromages vous font rêver, on imagine aussi que le livre de jeunesse, c'est un peu la même chose. Alors, avant de revenir dans le présent, je crois qu'il y a une petite... Il y a notre séquence, en effet, Sylvie. Merci, notre séquence plein phare, tout de suite. Ce sont des reportages pour vous permettre de mieux connaître le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de l'intérieur. Un rendez-vous, vous le savez, qui réunit des éditeurs de toutes tailles, des plus gros aux plus petits, au grand bonheur des visiteurs. On regarde ça. Ce qui est hyper enrichissant avec le Salon de Montreuil, c'est que ça permet de retrouver des éditeurs jeunesse de tout horizon, que ce soit des grandes maisons d'édition, des grands groupes éditoriaux comme des maisons plus petite et indépendante. Si t'aimes par exemple, je sais pas, un manga et l'éditeur est là, tu peux le rencontrer, faire signer ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça incroyable. Nous sommes une association qui s'appelle Canal Francophone. Notre objectif, c'est de diffuser des livres en fait dans les pays francophones, et notamment l'Afrique et le Maghreb. Donc on recherche alors plutôt effectivement des éditeurs moyens ou petits. Là, on vient à la rue du monde. Moi, je connaissais pas du tout, par exemple. Moi, je travaille dans une bibliothèque dans la région parisienne. Je suis plutôt attirée par des livres sur l'histoire, sur la nature, etc. Donc je regarde un petit peu ce côté-là. Et là, je suis arrêtée devant les éditions courtes et longues. Eh bien, écoutez, moi, je suis venue pour faire des repérages de livres parce que je travaille dans une structure municipale. J'aime beaucoup, notamment pour les tout-petits, les livres qui sont proposés par les éditeurs, les grandes personnes. Il y a vraiment de très beaux livres. Je suis traducteur et du coup je cherche des gens avec qui collaborer pour traduire de la jeunesse. Et j'ai été servi parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est une richesse incroyable et puis c'est aussi une richesse en termes de genre parce que ça va autant de la fiction la plus classique à de la poésie, à des ouvrages qui sont aussi des objets d'art, à des très grands formats, des très petits formats, des trucs très créatifs, des trucs qui impliquent le numérique. Enfin non, c'est vraiment, il y a vraiment de tout, strictement. Voilà donc pour ce nouveau numéro de Plein Phare. Rendez-vous demain, évidemment, pour un nouvel épisode. On vous emmènera notamment dans les espaces de médiation du Salon. Sylvie, on avait fait un retour dans le temps il y a quelques minutes. On revient au présent avec nos partenaires. Oui, on revient au présent et on inverse un peu l'exercice, puisque Marion, je vais vous demander d'essayer d'expliquer aux enfants qu'est-ce que le syndicat national de l'édition dont vous présidez le groupe Jeunesse. Alors, le syndicat national de l'édition fédère un ensemble d'éditeurs, donc c'est plus de 700 éditeurs, et ce ne sont pourtant pas tous les éditeurs, parce que tous les éditeurs ne sont pas au SNE, mais c'est représentatif en effet de la diversité française, des grands groupes, des toutes petites maisons, et donc ce syndicat fluidifie les relations entre les éditeurs eux-mêmes, entre les libraires et les éditeurs, entre les auteurs et les éditeurs, et il agit sur un certain nombre de thématiques. Je citerai, pour ce qui est du groupe Jeunesse, qui lui regroupe à peu près 80 éditeurs, un emblème que j'aime beaucoup, dont on va fêter bientôt les 10 ans, qui sont les petits champions de la lecture, donc qui s'adresse aux élèves de CM2 et maintenant CM1, qui est donc un partenariat qui a été monté avec les ministères de l'éducation et de la culture. Évidemment, les enseignants extrêmement actifs. Et donc, c'est un concours de lecture, hein, c'est ça, les petits champions de la lecture. Voilà, c'est un concours de lecture à voix haute qui commence dans les classes elles-mêmes, puis est en 4 étapes, départementales, régionales et nationales. Et on peut dire, je crois qu'il y a plus de 300 000 enfants aujourd'hui qui se sont passionnés pour ce concours et ont choisi des livres pour les lire à voix haute, choisi des livres de littérature jeunesse qui comptent pour eux,
Donc voilà des actions que je trouve vraiment remarquables et collectives, qui ne pourraient pas exister sans, en effet, ces dialogues interprofessionnels et avec les institutions. On peut peut-être aussi souligner que pour les petits champions de la lecture, nous sommes également partenaires du syndicat national de l'édition, puisque ici, en Seine-Saint-Denis, il va y avoir une centaine de classes qui participent à ce jeu de lecture à voix haute. Et c'est nous, en Seine-Saint-Denis, qui coordonnons ce jeu. Donc c'est un autre point de partenariat entre le groupe jeunesse, qui est très actif ici, puisque les éditeurs jeunesse, on l'a entendu largement ici dans Plein Phare, participent à la construction de ce salon. Karine Roland, la ville de Paris soutient le Salon du Livre de Jeunesse et nos actions depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous motive, puisqu'on est en Seine-Saint-Denis finalement ici? Oui, on est en Seine-Saint-Denis, on est tout près de Paris et les frontières n'ont aucun sens quand on parle de littérature et de littérature jeunesse. D'ailleurs, les jeunes parisiennes et parisiens sont très nombreux à venir au salon. Ils se comptent par milliers chaque année. Ce qui nous motive, c'est que nous menons, en tant que ville, une action volontariste et large pour faire en sorte que la lecture soit présente partout, à tous les âges de la vie. Et ça commence dès le plus jeune âge. Donc, cela nous amène à travailler, bien sûr, avec les écoles, à mettre en place de nombreuses bibliothèques. La particularité de Paris, c'est d'avoir de très nombreuses bibliothèques absolument dans tous les quartiers. On a près de 60 bibliothèques de près dans tout Paris. Donc, tout un chacun, toute une chacune qui habite dans Paris a une bibliothèque à grande proximité. Et elle est gratuite. On peut y aller pour consulter un livre, pour passer un moment. La politique, ce qu'on appelle la politique de la lecture, ça passe aussi par l'école, je le disais, par des dispositifs comme les contrats territoire lecture. Et ça doit durer tout au long de la vie. Ça ne se fait évidemment pas tout seul, et à ce titre, le salon est un partenaire extrêmement important parce qu'il regroupe les éditeurs dont vous venez de parler. Il met à l'honneur les auteurs, les illustrateurs, sans lesquels rien n'existerait, tous les métiers du livre. Évidemment, j'en oublie énormément. Le livre, on a l'habitude de dire que c'est une chaîne, et nous, en tant que ville, devons contribuer à ce que cette chaîne fonctionne toujours mieux et concerne le plus de monde possible. Est-ce qu'il y a une action en particulier qui vous touche dans le salon ou dans les initiatives que nous menons en relation avec vous ? J'ai été très marquée par la mise en œuvre de cette télé l'année dernière. Vous avez fait d'une nécessité une force. Et ça, c'est vraiment tout à fait remarquable. L'année dernière, nous ne pouvions pas nous voir. Néanmoins, ça a existé. Ça a permis de maintenir un lien. C'est une forme d'innovation tout à fait vertueuse. Ça montre aussi qu'il n'y a pas d'opposition entre le livre et le numérique, quelque part. Et puis, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je pense à ce petit robot auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Looping, que vous accompagnez. On va découvrir demain, d'ailleurs je le précise dans Plein Phare, on parlait tout à l'heure des espèces de médiation qu'on va mettre à l'honneur, on retrouvera Looping, ce petit robot. Alors je n'en dis pas plus, je ne veux pas dévoiler la surprise avant l'heure. Mais voilà, il me semble que du haut de vos 37 années, vous êtes en permanente réinvention, comme le sont les livres et tous ceux qui les font, et ça c'est assez extraordinaire pour nous. Alors Sylvie, on va passer peut-être à la question Joker, parce que le temps presse, on suit un Maud Bégon, notre autrice illustratrice de bande dessinée qui continue de s'inspirer de Queen Kong, ce roman dont on va parler dans quelques minutes. Pose une question ultra rapide à Marion, je sais qu'elle saura répondre rapidement. Est-ce que Marion, est-ce que vous êtes en capacité de répondre à la question que pose le chat du salon sur toutes nos affiches dans le métro et partout? Nous, point d'interrogation. Oui, j'y réponds en regardant derrière moi, c'est en pensant aux solidarités qui nous ont sauvés intellectuellement et professionnellement et amicalement dans la chaîne du livre grâce à ce « nous ». J'y pense aujourd'hui parce que c'est le bonheur d'être enfin ensemble dans ce salon qui compte tellement pour nous tous qui travaillons dans la culture et dans le livre. Et puis j'y pense pour demain parce que j'avoue que je suis un peu troublée par tout ce qui se passe autour de nous, par les fractures de notre société et par les enjeux qu'on a aussi, nous, auteurs, éditeurs, de raconter le monde autrement demain.
devant les enjeux écologiques qui se présentent? Alors, une petite question joker qui va nous redonner le sourire. Hier et avant-hier, vos prédécesseurs à qui je demandais quel costume ils prendraient de héros de littérature jeunesse, on était du côté du Petit Prince et je suis heureuse parce que quand on vous demande, Marion, si telle l'héroïne des Malheurs de Sophie, vous aviez le droit de faire une jolie bêtise, vous avez choisi Sophie. Alors, quelle serait-elle? Alors, la bêtise que j'ai envie de faire, elle m'est inspirée par une lecture d'un auteur britannique que j'adore, qui s'appelle David Walliams. Et donc, j'adorerais être une mamie gangster. Mamie gangster, c'est donc l'histoire d'un petit garçon qui n'aime pas trop aller chez sa grand-mère parce qu'elle lui fait toujours de la soupe aux choux, jusqu'au jour où il s'aperçoit qu'elle a beaucoup de bijoux, beaucoup trop de bijoux cachés dans une boîte de la cuisine. Et donc, j'aimerais voler les bijoux de la reine d'Angleterre, Sylvie. Alors, mamie gangster ou mamie fromagère, il va quand même falloir choisir, hein, certainement. Et vous, Karine, vous avez choisi Alice. Alors, on est aussi du côté de l'Angleterre et de la philosophie décalée. Quelle serait-elle, cette philosophie décalée? Juste un mot. Nous, c'est aussi le titre d'un très beau livre de Tristan Garcia. Donc, c'est un très beau livre cette édition. Très beau titre de livre aussi. Alice, elle est extraordinaire. Elle a une capacité d'émerveillement permanente. Marion, vous parlez de la période si particulière que nous traversons encore. Ma philosophie consisterait à dire, de manière un peu décalée par rapport à l'époque, que la vie est bien faite. Je crois qu'Alice aurait pu le dire et tenons-nous-y. Merci, mesdames, d'avoir été ici sur ce plateau. Karine Roland et Marion Jablonski, merci d'avoir été les invités de Sylvie. Sylvie, on va fêter tout de suite un anniversaire. Jingle. Bon anniversaire à Ariol, Anatole Latuile, Tilda, Athéna, Lulu, Avni et les Inséparables. Bon anniversaire à BD Kids pour vos 10 ans. BD Kids, c'est un format original, petit, souple, gourmand. Avec BD Kids, les plus petits adoptent les plus grands héros de la littérature de jeunesse, de Bayard et de Milan. Bon anniversaire, vous pouvez, si vous venez à Montreuil, les retrouver au premier étage sur le stand de Bayard. Voilà, encore des bougies de souffler dans On Air, le Prime. Restez bien avec nous dans quelques secondes, on va ouvrir la deuxième partie de cette émission pour parler de ce roman Queen Kong signé Hélène Vignal qui est notre invitée donc dans quelques secondes. Mais avant cela, on va faire un détour par une des librairies partenaires du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, Sylvie. La librairie Virevolt à Lyon. On y va. Je suis Olivier de la librairie La Virevolt et je vais vous présenter un livre jeunesse qui s'appelle La Brigade du Buzz, Alex Cousseau, Charles Duterte, aux éditions du Rouergue. Et je vais vous lire juste le début. Oncle Jo, Papa Tom, Maman Bou et moi, Sergent Poc, on vit dans une chaussure. Autrefois, on avait inventé la brigade du silence. Notre objectif était simple, faire le moins de bruit possible. On ne réussissait pas toujours, mais on s'amusait bien. Et puis Lizzie est arrivée. Avec ses fous rires, elle nous a dit « La brigade du silence, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on devient la brigade du buzz. » Voilà, c'est un album qui vient de sortir, qui est particulièrement drôle, inventif. C'est assez subversif au final, à la fin. Il va y avoir un feu d'artifice de chaussettes et de culottes. Il va y avoir un grand voyage en ballon. Enfin, c'est un livre extrêmement pétillant et plein d'une énergie extrêmement touchante. Donc moi, je vous le recommande vivement. Et puisque c'est le buzz, le vrai buzz pour nous, c'est dans le cadre du salon du livre et de la presse jeunesse qui se déroule à Seine-Saint-Denis, nous accueillons les Marie Myrguen et on organise dans ce cadre-là une dédicace et un atelier autour de ces albums, dont un qui s'appelle Fémurimo et un autre, on en a plusieurs, mais 10 de plus, 10 de moins. Voilà, c'est une illustratrice assez étonnante, vraiment. Enfin, nous, on l'a découvert dans ce cadre-là et on est plutôt particulièrement fan. Donc, on vous le répète, c'est le mercredi 1er décembre à partir de 16h, l'atelier et ensuite une dédicace.
Je fais les gros bisous. Et puis, bon buzz. Hein. On Air, le prime, la deuxième partie, c'est maintenant. On va donc parler de ce roman que je vous montre depuis tout à l'heure, Queen Kong, Pépite d'or 2021. C'est signé Hélène Vignal, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. On va parler évidemment de ce roman, de cette distinction également qui l'accompagne pour cette 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, tout ça en compagnie de Raphaël Bott. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonjour tout le monde. Journaliste, je le rappelle, et membre également du jury qui a décidé, qui a fait ce choix donc de récompenser ce roman Queen Kong. Avant de se lancer dans le pitch de ce roman, on va aller faire un petit tour quand même du côté de Maud Bégon, notre autrice, illustratrice, qui est en train de continuer de s'inspirer librement donc de ce titre. Je crois qu'il y a eu un premier dessin hein, déjà qui a été terminé. On verra peut-être ça tout à l'heure. Maud, merci d'être avec nous, de nous accompagner tout au long de cette émission. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, Hélène Vignal, un mot forcément sur cette récompense. Ça vous fait quoi d'avoir remporté cette pépite d'or 2021? Je ne touche plus terre. Non, mais je suis évidemment très heureuse, très honorée de cette distinction. Voilà, j'ai lu l'intégralité de la sélection ado, pas les 20 livres de la sélection, mais voilà, quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a du niveau. Donc je suis très, très honorée de ce choix. Voilà. On va rappeler hein, comment ça s'est fait. Il y avait donc 20 titres en compétition qui étaient répartis dans différentes catégories, avec des enfants à chaque fois qui ont choisi dans 4 catégories. Et il y a une catégorie un petit peu particulière, cette pépite d'or, qui est donc décernée par un membre de jury professionnel dont vous faites partie, Raphaël Bott. Alors il paraît que voilà, ça a pris un petit peu de temps pour faire émerger un vainqueur. Il y a eu une longue délibération. C'est vrai. On a discuté pendant 3 heures. Alors c'est pas parce qu'on hésitait parce qu'on a sur Queen Kong. C'est surtout parce que vous l'avez très bien dit. La sélection, elle était riche, elle était variée. C'est difficile parce que c'est très différent, tous les genres pour des âges également différents. Donc voilà. Mais il y a eu un réel élan autour de votre texte. On a entendu dans les discussions que ça a suscité autour de nous des mots tels que coup de poing, tels que liberté, tels que audace, tels que volonté de s'inscrire dans notre époque. Ça, c'est des mots qui sont beaucoup revenus entre nous. Et puis voilà, on a choisi notre pépite d'or autour de Queen Kong et autour de la voix de cette héroïne. Pour vous en dire quelques mots. Est-ce qu'on peut justement expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans? Voilà, pour on a envie les, de savoir. Les spectateurs qui n'ont pas encore lu ce texte qui s'adresse aux grands ados. Donc on découvre l'héroïne à un moment où elle est acculée par des messages, par des SMS qui lui arrivent partout sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, parce qu'on lui reproche quelque chose et sa faute, c'est d'avoir couché avec 4 garçons différents. Voilà, c'est d'avoir assumé de coucher sans amour, de rechercher le plaisir, d'apprendre à se connaître, d'agir comme un mec. Elle est victime quoi, d'une forme de harcèlement, on dirait, sur les réseaux sociaux? On peut dire ça. Voilà, juste pour vous donner un petit peu du ton, je suis une piètre lectrice, mais voilà, pour donner un peu de sa voix. Si tu veux du sexe sans amour, si tu veux démêler les deux, le temps de comprendre quelque chose, il faut être prêt à payer la note. On ne te le pardonnera pas, en tous les cas, si tu es une meuf. Voilà, donc ça donne un texte, un coup de poing, mais ça donne aussi des grandes pages d'une grande sensualité. Et c'est là que je voulais en venir, on repart un petit peu en arrière. Je crois vous avoir entendu dire l'année dernière que quand vous-même vous étiez plus jeune, il vous arrivait de chercher un livre secret dans la bibliothèque parentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et pour quelles raisons la littérature était importante à cet endroit-là? Ouais, effectivement, j'allais chercher un livre qui s'appelait Yin Yang ou l'art d'aimer en Chine, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'était un livre érotique sur, je sais pas du tout si c'était, moi dans ma tête, ça se passait comme ça en Chine. En fait, c'était surtout un livre qui imageait la sexualité d'une façon très très poétique, en fait, où les organes génitaux étaient nommés avec
des noms de fleurs, des noms de... Voilà. Et en même temps, je voyais bien de quoi il s'agissait, parce que c'était vraiment des scènes de coït hein, qui étaient décrites, mais avec une façon très poétique et qui m'excitait beaucoup, en fait, qui était déjà très joyeuse comme lecture. Et je me disais, oh, c'est super. Enfin, voilà, ça m'émoustillait beaucoup. Et donc, j'allais chercher ce livre, c'est vrai. Ouais, ouais, voilà. Et la sexualité était poétique et joyeuse, en fait, dans ce livre. Et donc là, chez les éditions Thierry Magnier, il y a cette collection L'Ardeur qui a comme but de justement parler de sexualité voilà, sans tabou. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, de proposer un texte dans cette collection? Pourquoi vous avez envie de vous lancer? Ben en fait, quand la collection est apparue, je me suis dit waouh, ça m'intéresse, c'est une bonne idée, c'est quelque chose de voilà. Je suis pas très réactive, moi, je vais pas très vite. Enfin, mais ça mûrissait. Je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et donc, ben j'ai eu ce texte à un moment donné dans un état d'achèvement qui était assez peu explicite sur la sexualité, qui a été refusé par un premier éditeur. Et c'est là que je me suis dit, mais bien sûr, en fait, c'est un texte pour L'Ardeur. Évidemment, pourquoi, enfin, voilà. Et donc, j'ai repris les scènes de sexualité, donc les scènes de masturbation et des scènes d'échanges sexuels avec les partenaires de cette héroïne. Et là, je les ai écrites de façon voilà, très explicite. Et on va préciser, pardon, quand même, que c'est bien un roman. Hein. Voilà, on n'est pas dans un manuel d'éducation sexuelle. Ah non, ni un texte pas, normatif, ouais. Pas du tout. Non, surtout pas. Moi, j'écris beaucoup sur la ressource, en fait. La question de la ressource. Il me semble que la sexualité, en tant que ressource dans la vie, en tant que ressource en termes d'énergie, en termes de plaisir, en termes d'échange avec l'autre, finalement, il y a assez peu de choses. Et je trouve dommage que... c'est une super idée, cette collection, parce que je trouve dommage que les ados n'aient que YouPorn comme référence, en fait. Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a des podcasts qui sont super, et puis il y a les échanges entre eux. On a en face de nous une génération qui est très... qui parle, hein, qui est très, très à l'aise, en fait, hein, pour parler de tout ça. Mais cette proposition des éditions Thierry Magnier, de la collection L'Ardeur, de pouvoir fantasmer autour du texte, évidemment, moi, je sais ce que c'est que de fantasmer sur un livre, puisque je l'expliquais tout à l'heure. Et ouais, ça me parlait bien, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui me semblait juste. Et votre narratrice, elle est libre, elle est en colère, elle se lève face aux injonctions, elle veut jouir de cette liberté, elle cherche le plaisir. Comment vous est venue l'idée d'affronter un récit à la première personne du singulier? Ça s'est fait. Ça s'est fait, en fait, comme ça. Cette voix, elle est arrivée à un moment donné. Voilà, il y a des textes comme ça qui arrivent. Hein. Ce texte-là, il a eu cette grâce-là d'arriver. Mais en même temps, il est arrivé après tout un parcours, en fait. C'est-à-dire que j'étais allée l'été précédent dans des communautés de jeunes. J'étais allée à la ZAD de Roibon, j'étais allée dans une communauté en Ardèche de jeunes. J'avais beaucoup écouté, en fait, des jeunes qui sont sur des nouvelles utopies, qui sont dans des milieux alternatifs, parler de leur rapport de genre, de leur rapport à la société, de leur rapport à l'argent, enfin, de plein de choses. Mais j'avais particulièrement retenu cette question du rapport entre les gens, du langage, du vocabulaire, de la voix, de la place qu'on se laisse. Et j'avais trouvé que c'était très touchant, en fait. Voilà. Vous m'amenez à un croisement que je trouve justement très ambitieux et très intéressant dans votre texte. C'est que oui, il y a de la sexualité, mais oui, il y a aussi le militantisme. Pourquoi vous avez voulu amener ce thème-là aussi dans un texte qui parlait de sexualité? Parce que le sexe, c'est politique. En fait, c'est quelque chose que j'avais pas compris quand j'avais l'âge de l'héroïne. C'est quelque chose que j'ai compris plus tard, en fait. La sexualité, dire que la sexualité et que le sexe est politique, ça veut pas dire que c'est sombre, grave et tragique, hein, mais ça veut dire que ça implique des choix, ça implique des façons d'être, ça implique des façons de prendre des décisions en fonction d'un baromètre intérieur qui, si on ne l'écoute pas, peut nous amener à des choses très destructrices, en fait. Et moi, on ne m'avait pas dit ça. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps
Et je trouve que c'est important de dire que oui, le sexe, c'est politique. C'est les choix qu'on fait, le choix de ne pas dire que quelque chose nous déplaît, le choix de dire que quelque chose nous plaît, le choix d'un partenaire, d'une partenaire, de plusieurs partenaires, le choix de désolidariser l'amour du sexe ou au contraire de les mêler intimement. Toutes ces choses-là sont des choses politiques parce que lorsqu'on ne respecte pas la norme, en fait, on nous le fait sentir très, très vite. Voilà. Alors Hélène Vignal, on va préciser que vous écrivez bien sûr des romans, mais vous êtes aussi, je crois, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est ça Raphaël, où vous publiez quelques-unes de vos inspirations. Je me permettais de revenir sur 5 petits points que vous avez indiqués vers lesquels vous pouvez conduire vos lecteurs. Donc j'invite les jeunes téléspectateurs de regarder. Et puis peut-être là, revenir plus particulièrement sur le livre de Virginie Despentes que vous avez mis en avant parmi ces 5. Vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi ? Eh ben, le livre de Virginie Despentes, je vais être très honnête, je l'ai raté quand il est sorti. Je suis passée à côté, je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai lu assez tard, après sa sortie et dans ma vie. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai une sœur quoi, qui m'a parlé. En fait, hein. C'était vraiment très très clair, très très net. Et il y a une phrase, j'ai pas de mémoire, mais il y a une phrase en particulier où elle dit ben, quand tu sors de la cage, on te le fait payer très cher, en fait. Voilà. Et ça m'a hyper parlé quand je l'ai lu. Moi, quand je lis, je retiens toujours des citations que je note, que je conserve, que je relis. Enfin, j'ai une lecture très active. Et c'est vrai que cette phrase-là, je la sens tellement juste, je la sens tellement vraie, en fait, pour chacun et chacune d'entre nous. Et puis, voilà, j'avais l'énergie, je crois, de ce livre en arrière-plan, quelque part, dans ma tête, dans la voix de cette héroïne. Et l'énergie aussi de toutes ces filles, ces femmes inspirantes qui décident à un moment donné que, OK, il y a une norme, mais voilà, c'est pas exactement comme ça qu'elles sentent les choses. Ça peut prendre plein de formes différentes. Hein. Et puis, c'est des hommes aussi, hein, c'est pas que des femmes. Mais cette petite bascule où on peut tous l'expérimenter, je pense qu'on l'a tous vécu, même sur des toutes petites choses, de dire... Attends, allez, c'est bon, là, je vais faire les trucs comme je les sens, moi, en fait. Et ça va très bien se passer. Merci beaucoup, Hélène Vignal. Je suis désolé, on est déjà au terme de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous avez remporté donc, la Pépite d'Or 2021 ici au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, un prix remis en partenariat avec France Télévisions, on le rappelle, pour donc ce roman Queen Kong, publié chez les éditions Thierry Magnier. Merci beaucoup, Raphaël Bott, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview. On remercie également notre autrice et illustratrice Maud Bégon, qui s'est donc librement inspiré de Queen Kong. C'est très beau ce que vous avez fait. Hélène Vignal, en un mot, vous en pensez quoi? Ah oui, il y a l'énergie du texte. Bravo. Qu'on retrouve. Bravo. Merci Maud Bégon. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain donc sur la télé du Salon pour un nouveau On Air, le Prime. Salut.